encuentro en Francia. Aunque tenga la camiseta, estoy en Francia, en un parque muy famoso aquí en el centro de la ciudad, donde la gente viene aquí a hacer asaderos, a hacer picnic, a acampar y todo, para preguntar a los franceses qué piensan sobre los colombianos. Entonces voy a interrogar a la gente que hay por aquí y preguntarles muchas cosas sobre el país de Colombia, a ver la opinión de los franceses sobre el país de Colombia. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Ça ne vous dérangerait pas si je vous pose quelques questions pour une chaîne sur YouTube? Pas de problème, bonjour. Donc en fait voilà, c'est une chaîne où on parle du pays de la Colombie. Ouais. Les Colombiens qui vont voir cette vidéo, la majorité j'imagine. Pour savoir qu'est-ce que pensent les Français sur les Colombiens. Donc voilà, qu'est-ce que vous pensez directement si vous entendez le pays Colombie? Ça vous fait penser à quoi? Le soleil, ouais, tout de suite. Beaucoup de soleil? Ouais. Donc vous pensez que là-bas il fait très chaud partout? Ah, je pense. Ah ouais, d'accord, ouais. Regardez, j'ai une map. Est-ce que vous pouvez me dire en moins de 10 secondes à peu près où est la Colombie sur cette map? Cette carte du monde? Alors là, j'en ai aucune idée. Donc pas du tout une estimation à non. peu près, non? Non, rien non. du tout. Mm-mm. D'accord, bon, c'est pas grave. Est-ce que vous savez à peu près les couleurs du pays de la Colombie? Je pense le drapeau en fait. Ouais, le drapeau, ouais. Ouais. Nous on a bleu, blanc, rouge en France et ouais. en Colombie. Jaune, rouge, bleu, je crois. Il me semble. C'est hein. presque ça, ouais. Ouais, c'est jaune, bleu, rouge, mais vous avez dit les trois couleurs, c'est ça qui compte. Est-ce que vous savez la capitale du pays? Ouais, Bogota. Très bien, ouais. Quelle langue ils parlent en Colombie? Espagnol. Espagnol, oui. Ouais. Est-ce que vous savez quelques mots en espagnol? Putana. Oui, c'est un peu grossier, mais oui. Est-ce que vous aimez bien les danses colombiennes? Vous connaissez quelques danses colombiennes? Ouais. Qu'est-ce que vous avez déjà entendu comme danse colombienne? Shakira, Shakira. Ah, et quelle autre chanson vous connaissez de Shakira? Papi quel... Sanchez. Et c'est quoi qui chante? C'est Papi Julio, Papi Julio. D'accord, oui. Et vous savez danser les chansons colombiennes ou... Ouais, je danse bien, ouais, pas mal. Ouais. Est-ce que vous savez la monnaie qui est utilisée en Colombie? Pesetos, non? Non, pesos. Pesos. C'est presque ça, oui. D'accord. Et le football, vous aimez bien le football? Non. Vous connaissez pas de joueurs de football colombien? Non. D'accord. Et une dernière question, est-ce que ça vous donnerait envie, là, si on vous offre un voyage en Colombie, de visiter ce pays? Non. Pourquoi? Parce que je suis plus États-Unis, non, c'est pas mon délire en fait, non. Ah, vous préférez les pays un peu plus touristiques en fait? Ouais, voilà. Ah, d'accord. Ouais. Bon, bah, je vous remercie beaucoup. Hein. Ben, bonne journée, hein. Merci. Au revoir. Hein. Au revoir. Bonjour, mademoiselle. Ah, salut. Je peux vous poser quelques questions pour une chaîne de YouTube? Oui, oui. Ça ne dérange pas? Je sais pas si je pourrais la mettre, mais oui. En fait, c'est pour parler sur un pays qui s'appelle la Colombie. Qu'est-ce que ça vous inspire, la Colombie en fait? Oula, la Colombie, bah, moi, ça m'inspire la drogue, la violence. Et l'Amérique du Sud. D'accord. Regardez, j'ai une map ici. Est-ce que vous pouvez citer en moins de 10 secondes la Colombie sur cette map du monde? Ouais, là. D'accord, très bien. Est-ce que vous savez à peu près les couleurs du drapeau de la Colombie? Je crois qu'il y a du vert et du rouge. Rouge et mais pas de vert. Est-ce que vous savez quelle langue ils parlent en Colombie? Espagnol. Espagnol. Vous savez quelques mots en espagnol? Un, deux, tres. Ah d'accord, et à part ça, vous connaissez d'autres mots? Je sais qu'on m'a appris au collège, Rose de Punta. Ah d'accord, c'est un peu grossier j'imagine, si vous savez je la... Crois que, ouais. D'accord, est-ce que vous savez la capitale du pays? Bogota. Très bien, ouais. Et est-ce que vous connaissez quelques danses colombiennes, enfin de renom? La salsa, je crois que... Ouais, la salsa, c'est très réputé. Ouais. Puis après, vous savez danser la salsa? D'accord. Et est-ce que vous connaissez la monnaie en Colombie? La monnaie en Colombie, Ah non, je ne sais pas. Non. D'accord. Et le football colombien, ça vous dit quelque chose ou vous n'aimez pas trop le football? Pour moi, la Colombie, c'est une équipe nulle. D'accord. Et le cyclisme, vous connaissez à peu près? Non. D'accord. Après, quand je pense Colombie, je pense juste à Shakira. Shakira, d'accord. Et un autre chanteur ou chanteuse, vous connaissez pas? Colombien, non, je vois pas. Juste Shakira, en fait. Et est-ce que vous aimez boire du café? Ouais. Est-ce que vous savez qu'en Colombie? Ah oui, le café de Colombie, je crois que c'est un des meilleurs cafés du monde. Exactement, sauf d'accord. Ma grand-mère, elle en achetait, c'est le café de Colombie. Ah ouais, c'est un des très bons cafés, d'accord. Et une dernière question, est-ce que ça vous donnerait un jour envie de voyager en Colombie, si on vous dit? Oui, mais ça dépend si je suis avec des personnes que je connais. Je n'irai pas toute seule avec des gens que je connais pas. D'accord. J'aurais trop peur. D'accord, bah, je vous remercie beaucoup. Bah, merci à vous, bonne merci, journée. Merci, au revoir. Bonjour, je peux vous poser dans quelques questions pour une chaîne YouTube? Oui, pas de soucis. D'accord, alors en fait, on va vous parler du pays de la Colombie. En fait, c'est une vidéo qui va être voir plus pour les Colombiens. D'accord. Alors, que pensons nous les Français sur ce pays en fait? Donc, première question, quand vous pensez à Colombie, vous pensez à quoi en général? Si je reste positif, je penserai au café colombien. Négatif, je pense que je penserai
à tout ce qui est les FARC, tout ça, l'insécurité. D'accord, oui, je vois. On peut se faire enlever, tout ça. D'accord. Ouais. D'accord, voilà. Alors ici, en fait, j'ai une carte du monde. Est-ce que vous serez capable de trouver la commune en moins de 10 secondes à peu près? Oui, juste ici. Ah, très bien, ouais. Ça va. Est-ce que vous sauriez à peu près c'est quoi la capitale du pays? Bogota, je crois. Très bien, ouais. Et le climat, quand vous pensez à la commune, vous pensez à quel climat? Enfin, chaud équatorial, quoi. Assez tropical. Quoi. D'accord. Est-ce que vous sauriez à peu près me dire les couleurs du drapeau de la Colombie? Alors, il doit y avoir du bleu, ouais, du blanc, du rouge, mais en horizontal, enfin quelque chose comme ça. Ouais, c'est en horizontal. D'accord. En fait, vous aviez la réponse ici un peu avec les couleurs, mais vous avez été proche. Si vous entendez Colombie, vous pensez à quel chanteur, par exemple, ou chanteuse? Franchement, ça ne me vient pas du tout. Pas du tout? Non, par exemple, la plus connue, Loca Loca, non? Ah, Shakira? Shakira, oui, ah, j'aurais pas cru. Ou une chanson qui était à la mode, La Camisa Negra, je sais pas si ça dit quelque chose. Ouais, ouais. Juanes, c'est un colombien. D'accord. D'accord, si je vous parle en fait de civilisation en Colombie, l'histoire, avant la conquête de l'Espagnol, vous pensez à quelle tribu, qu'est-ce qu'il y avait avant Colomb? Je sais pas trop, j'aurais tendance à dire que c'est un peu comme au Mexique, peut-être civilisation aztèque ou quelque chose comme ça. Ouais, c'est proche des Incas, ouais, mais... C'est les Incas, ouais, d'accord. Ouais. Un peu comme le Pérou, du coup. Exactement, ouais. Quelle langue ils parlent en Colombie, vous pensez? J'hésite, non, le Brésil, c'est portugais. Non, j'irais espagnol. Enfin, espagnol, ouais. Espagnol, c'est ouais. Ça, ouais. Ça a des mots en espagnol, juste... Hola, como esta, gracias. Ouais, c'est bien, là. Des trucs dans ce genre. Voilà. D'accord. Vous aimez le football? Ouais, ça va. Est-ce que vous connaissez des joueurs football colombiens connus? C'est encore des questions pièges. C'est ça. Au Real Madrid, par exemple, un joueur, un milieu, ça vous dit pas quelque chose? Non. James Rodriguez, ça vous dit pas quelque chose? Ah non, non, ça me dit rien. D'accord. Donc, des danses colombiennes, vous en connaissez? Les danses du rythme latina, qu'est-ce qui se danserait à peu près, vous pensez, en Colombie? Colombie, je dirais plutôt... Non, ouais, j'aurais dit salsa. Oui, il y a beaucoup de salsa, oui. Salsa, du tango, peut-être. Un peu plus d'Argentine. Ah, mais... c'est plus d'Argentine. Ouais. D'accord. Ouais. Bah, un peu de ce genre de choses. D'accord. Et une dernière question, si là on vous offrait un voyage pour la Colombie, vous serez heureux? Ça vous donnerait envie ou pas? Ah ouais, totalement. Totalement? Totalement, parce que justement, j'étais en train d'organiser un tour du monde. Ouais. Et le problème, c'est que quand on commence à choisir les pays... Il y a le cœur qui balance et on ne sait pas trop si on peut y aller ou pas. Et la Colombie, c'est vrai que c'est un pays assez joli. Ça devient de plus en plus touristique et il y a beaucoup de paysages, donc je vous le recommande beaucoup. Bah, merci beaucoup. D'accord, bah, merci. Merci bien. Merci. Voilà, ça vous va? Merci. Bonjour monsieur. Bonjour. Est-ce que je pourrais vous filmer et poser quelques questions pour une chaîne sur YouTube? Ouais. En fait, c'est une chaîne pour montrer aux Colombiens qu'est-ce que pensent les Français sur le pays de la Colombie. Ouais, d'accord. Donc voilà, j'ai la première question. Quand vous entendez Colombie, qu'est-ce qui ça vous fait penser à quoi en fait? Vacances, soleil, la plage. La plage, ok. Ouais, et la nourriture. Est-ce que vous pensez qu'il fait très chaud en Colombie? Ouais, je pense qu'il fait très chaud, d'avoir un climat pour aller à la plage, quoi. Ah, d'accord. Alors, regardez, ici j'ai une map du monde. Est-ce que vous pourrez m'indiquer en moins de 10 secondes où est la Colombie sur cette map du monde? C'est là. Ouais, très bien. C'est ça. Hein. D'accord, ouais. Donc de tête, là maintenant, en y pensant rapidement, c'est à côté de quel pays environ, plus ou moins? Le Brésil. Ouais, ça doit être pas loin du Mexique. Ouais, d'accord, c'est très bien, ouais. Est-ce que vous connaissez des danses de ce pays, des danses typiques, vous pensez? Tu as déjà entendu parler de danses Tango, salsa, les trucs latins, quoi. Ouais, d'accord, ouais, je vois. Est-ce que vous connaissez aussi des chanteurs colombiens? Ricky Martins? Non, c'est pas colombien. Plutôt français, lui. Non, c'est un portoricain, je crois. D'accord. Et d'autres chanteuses ou chanteurs, non? Shakira. Ouais, Shakira, ouais. Bien sûr, la plus connue. Est-ce que vous aimez le sport en général? Non, pas spécialement. D'accord. Est-ce que vous connaissez quand même des footballeurs colombiens en ce moment qui sont connus? Non. Aucun. Ronaldo? Non, il n'est pas colombien. D'accord. Une autre question, est-ce quelle est la capitale selon vous de la Colombie? Bogota. Oui, très bien, ouais. Quelle est la monnaie qu'ils utilisent là-bas, vous savez? Soit c'est les pesos, soit c'est les pesetas. Ah, les pesetas, c'est en Espagne, mais c'est les pesos, ouais. Et est-ce que vous connaissez à peu près les couleurs du pays de la Colombie? Donc nous, on a bleu, blanc, rouge pour la France. Ouais, ouais, ouais. Je pense que c'est d'ailleurs du jaune, du vert, du noir. Non, jaune, bleu, rouge, mais ça a bien commencé. Et une dernière question, ça vous donnerait envie un jour de voyager en Colombie si vous voulez? Ah bah c'est clair, ouais. Ouais. Enfin moi ça me donne super envie, découvrir des nouvelles cultures, ça doit être vraiment cool. Hein. Ah d'accord, bah je vous remercie. Je pense qu'ils doivent être accueillants là-bas. Oui, les gens sont très gentils. Tout ce qui est latin, ils doivent être vraiment bien. D'accord, bah je vous remercie beaucoup alors. Bah de rien. Merci, au revoir. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur.
Je peux vous poser quelques questions? Oui, avec plaisir. Voilà, en fait, je fais une chaîne YouTube, donc je suis en train de vous filmer, je peux vous filmer, d'accord. Ça vous dérange pas? Non, il n'y a pas de souci. D'accord, alors j'ai quelques questions à vous poser. À propos de quoi? Alors en fait, j'aimerais savoir ce que vous pensez sur le pays de la Colombie. Si vous entendez le pays Colombie, qu'est-ce que ça vous résonne? Alors moi, tête ça m'incite la drogue, tous les petits commerces en Colombie de drogue. Ah d'accord, donc que la drogue, c'est ça? Ouais, c'est ce que ça me fait okay penser. Est-ce que, regardez, j'ai une map ici. Est-ce que vous pouvez me situer en moins de 10 secondes la Colombie sur cette map du monde? Je sais que c'est en Amérique du Sud, je dirais que c'est ici là. Ouais, très bien, donc ça c'est l'Amérique du Sud. C'est donc à côté de quel pays vous pensez là, sans regarder la map? Venezuela. Très bien, ouais, donc c'est près du Venezuela. Ok, si je vous parle de football sur la Colombie, qu'est-ce que ça vous sonne? Rodriguez, James Rodriguez tout de suite. Ah oui, vous aimez le joueur fétiche de la Colombie, ouais. D'accord, vous connaissez le joueur ou seulement lui? Non, je connais que lui parce qu'il joue au Real Madrid. D'accord. Si je vous parle sur la danse en Colombie, si vous pensez à une danse colombienne, ça vous fait penser à quoi? Je connais pas vraiment de danse colombienne. Non, rien du tout? Non. Non, même pas la salsa, rien du non, tout. Non, mais je connais la chanteuse Shakira. Ah, tu connais Shakira, c'est déjà bien. Si je parle aussi maintenant de l'histoire de la Colombie, qu'est-ce qui s'est passé avant, quelle civilisation il y avait avant la civilisation actuelle, vous pensez à quelle civilisation par exemple? Vous voyez ce que je veux dire, en France on avait les Gaulois, on avait ouais les Romains pour une petite période. Si vous pensez à la Colombie, non, rien du tout? Non. D'accord. Est-ce que vous pourriez me dire une couleur du drapeau de la Colombie? Donc bleu, blanc, rouge, la France, une couleur du drapeau de la Colombie, si vous voulez. Jaune. Bleu, une autre? Bleu. Et une autre? Blanc. Rouge. Rouge. C'était presque. La capitale de la Colombie, vous la connaissez? C'est Bogota. Ah, très bien. Et la monnaie qui est utilisée en Colombie, vous la connaissez? Les pesos. Très bien, ouais, les pesos colombiens. D'accord. Bon, bah voilà, vous avez quelque chose à dire de plus sur la Colombie que... Non, non. Bah, je vous remercie beaucoup alors. Merci, bonne journée, au revoir. Merci, au revoir.